Ah, vous êtes là? Salut, bonjour à tous. Alors, très content de vous retrouver sur notre chaîne. Alors, dans ce second épisode de notre road trip en Bavière, on va voir donc la première étape du retour entre Hohenschwangau, où nous avons séjourné à l'hôtel Alpenstuben, et Singen, où on a logé à l'hôtel Trésor. On verra également quelques images de la très jolie ville de Merseburg, qui est située au bord du lac de Constance. Alors bien sûr, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous propose de cliquer là au-dessus pour aller le voir en premier. Alors on vous attend ici pour la deuxième partie. Ok. Voilà, on boit un coup. Ouais, d'accord. Je crois qu'ils sont revenus là. Vous êtes là? Ah bon, vous êtes là? Ouais. Ok. Alors si vous êtes de retour, on continue. Comme pour la première vidéo de ce road trip, à la fin, on vous présentera un bilan des recharges de cette première étape de retour. Voilà, donc pour rappel, on était donc arrivé à Hohenschwangau avec une batterie à 52%. Oui, c'est vrai. Et donc la veille, on a quand même réussi à faire une petite recharge. Allez, on voit ça tout de suite en vidéo et on se retrouve juste après. Bon, voilà, alors ce soir, on va aller dans le petit village de Schwangau, qui est à 2-3 km d'ici. On a repéré un petit restaurant, on va voir ce que c'est. Et puis surtout, à côté du restaurant, il y a une borne de recharge. Parce que là, ici, à Hohenschwangau, là, tout près du château, il y a plein de parkings pour les bus, pour les voitures, c'est blindé de parking. Par contre, il n'y a pas une seule borne de recharge. Donc là, il y a une petite borne de recharge, on va voir ce que ça va, si je peux charger la voiture pendant le restaurant. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Bon, ben, voilà, on a réussi à charger avec la carte CashMile. Il suffisait de scanner la carte ici, j'ai la carte FreshMile, j'ai scanné et la charge est partie tout de suite. Voilà. Par contre, les instructions sont écrites en allemand ou en anglais, en français vous n'avez rien du tout. Quoi. Voilà. On va manger tranquille au resto et on va revenir, ça sera bien chargé. Bon alors cette charge, qu'est-ce que ça a donné? On était du 11 kW, on a rajouté 24 kWh, voilà. Et je suis à 96%, c'est nickel. Alors le retour, nous l'avons fait en deux étapes. Le premier jour, on est parti ici de Hohenschwangau et on est allé jusqu'à Singen, là au bord du lac de Constance. On a fait un petit arrêt à Merseburg ici, un très joli village que je vous conseille d'aller visiter si jamais vous passez dans le coin, parce que c'est vraiment très très beau. Et bien voilà, on va quitter Hohenschwangau, direction Singen. À l'hôtel Trésor où on va aller. Puis j'ai prévu un petit arrêt, il y a un Aldi Sud à Lindau, au bord du lac de Constance, qui a normalement une recharge gratuite. Donc je vais retenter le coup. Contrairement en France, en Allemagne, les départementales, c'est limité à 100. C'est pas pour ça que les gens roulent plus vite. Ils sont quand même assez disciplinés, les Allemands. Hein. En reconnaissance des panneaux, on est limité à 70 et c'est mis automatiquement à 70. On roule à 68 puisque je suis l'autre voiture devant moi. Et une fois qu'il n'y a plus de limitation, elle repassera automatiquement à 100 puisqu'ici les routes sont limitées à 100. Alors là-bas, il arrive le panneau de fin de limitation de vitesse. Vous allez voir qu'automatiquement, je vais repasser à 100, c'est la vitesse qui est autorisée sur les routes. Et elle va se régler à 100. Voilà. Limitation à 100 et ma vitesse max est mise à 105 parce que j'ai du 5% tolérance. On s'accélère tout seul, mais ça garde toujours la distance par rapport à la voiture devant. Quand ça freine, là ça freine aussi. Bon, aujourd'hui je crois qu'on a du bol. On vient d'arriver au Aldi à Lindau, au bord du lac de Constance. Et puis, il y a une borne disponible chez Aldi. On va voir ce que ça donne. On a enfin trouvé une borne Aldi gratuite. Et on a pu se recharger. Donc je suis monté jusqu'à 100% de charge parce que c'est gratuit, hein, bien sûr. Et en plus, c'est marqué dessus sur la borne qu'à partir du 1er juin, elles vont être payantes à 39 centimes. Alors je ne sais pas si ce sera tous les Aldi ou si ce sera que celui-ci. En tout cas là, on est le 27 mai. À 3 jours près, on a du bol pour une fois. Donc là, on se trouve à Merseburg, au bord du lac de Constance. Alors je vais vous montrer ça sur la carte où ça se trouve. Et on est au bord du lac. Hein. C'est super, bon, c'est bien. Très bonne ambiance. Très bon. Thank you.
Vous avez ici la concession Bentley. Juste à côté, vous avez Lamborghini. À côté de ça, vous avez de la Ferrari. Ouais. Ensuite, vous avez la concession Audi, comme je vous l'ai dit. Et puis, vous avez ensuite l'hôtel juste en face, l'hôtel Trésor. Je vous conseille d'y aller, c'est sympa comme hôtel, quoi. Alors, comme promis, on se retrouve pour un rapide bilan. Alors, malheureusement, à cause d'un petit problème technique, on n'a pas eu l'occasion de filmer à Zingen et ni à l'hôtel Trésor. Mais c'était quand même un excellent hôtel, un très bon hôtel. Et puis, si vous passez dans le coin, je vous conseille d'y aller. Bon, et si on faisait un petit bilan de consommation et de tarifs de recharge sur cette journée? Oui, et pour ça, on va se mettre sur l'ordinateur et se connecter à Teslamat. Pour cette première étape, on peut voir qu'on a fait une distance de 225 km. On a également une consommation de 144 Wh au kilomètre. On a consommé 33,3 kWh et on a ajouté 19,9 kWh et tout ça pour un tarif de 0 euro puisque les recharges chez Aldi étaient gratuites. Donc, efficience exceptionnelle. Voilà donc le bilan de cette journée très positif puisqu'elle ne nous a rien coûté en recharge. Oui, et bientôt la vidéo de l'étape de retour où on fera un bilan complet sur notre road trip. Une autre vidéo suivra, mais celle-ci elle sera un peu plus orientée sur la visite des châteaux, sur la présentation de l'hôtel et du restaurant. Personnellement, c'est la partie que je préfère. Alors sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, en bas oui, mettre un petit clic sur le pouce bleu hein, si la vidéo vous a plu, nous ça nous motive hein, bien sûr. Et un merci particulier à Xavs Tesla, dont je vous mets le lien là-haut, qui a partagé notre première vidéo sur sa chaîne. Bonne journée à tous. Bisous. Tchuss. À bientôt. Et vous, mettez les pouces en bas, allumez la cloche et abonnez-vous.